autres, je vais demander aux participants inscrits au Speed Business Meeting de se rapprocher de moi, c'est-à-dire de venir vers le panneau Hades. Nous avons encore énormément d'années d'avance sur les pays émergents. Nous pouvons les aider à décoller, nous pouvons les aider à se développer. Je trouve que le public ici à Monaco est plus ouvert sur la situation, moins protectionniste, moins corporatiste qu'il ne peut l'être en France. On a réussi le redressement, d'abord parce qu'on a été autorisé, aidé par les autorités monégasques, et c'est encore pour moi l'occasion de remercier le prince Rainier et le prince Albert. Je m'en souviens de la rencontre fin 2000. Ben d'abord, moi je dois beaucoup à Monaco, parce que la reprise de RMC a été un succès. Cette fameuse tablette, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut éventuellement avoir en matière de propriété intellectuelle? On pense assez rapidement à tout ce qui est technique, donc au brevet. Ça peut être un brevet sur un assemblage, par exemple une façon d'assembler la coque avec l'écran. Ça peut être des aspects électroniques, la façon dont l'afficheur est géré. Je vais simplement donc dire deux mots sur l'attractivité. C'est un mot, si vous voulez, qui est parfois un peu galvaudé, mais qui rappelle un petit peu ce que doit être un lieu. Comme la principauté de Monaco, l'attractivité existe depuis toujours et existera encore longtemps, mais il faut la renforcer. Said just before today, this position, which is called 52 degree east position, has been coordinated, registered on behalf of the state of Monaco. So Monaco, I always say that, has a land today in the space. So 52 degrees east is Monaco land. En fait, quand on parle de leadership, il n'y a pas forcément que des connotations positives derrière le leadership. Je dirais qu'il y a deux types d'approches. Le leadership, c'est la capacité individuelle à améliorer la capacité productive d'une équipe, que ce soit sous contrainte ou sous influence. Objectif de communication parfaitement établi, cible parfaitement identifiée, campagne réussie, puisque cette campagne qui a vécu il y a 2 ans a eu un très grand succès, à la fois en termes de retombées médiatiques et également en termes de trafic, de création de trafic donc touristique sur la Côte d'Azur. De la façon dont on va pouvoir sortir des difficultés dans lesquelles nous sommes maintenant depuis 2007-2008, je parle pour la France, il y a certaines exceptions, certaines enclaves à l'intérieur de l'Hexagone, je pense à Monaco notamment, où l'ambiance est totalement différente de ce qu'elle peut être du côté de Paris. Organiser ce salon pour réfléchir à comment investir à Monaco, c'est une très bonne initiative. Je suis intéressé, je suis étonné de la vivacité, du dynamisme de l'économie monégasque. Ben des événements comme celui d'aujourd'hui nous permet de prendre un peu de hauteur sur les problèmes que l'on a à traiter, de réfléchir, d'avancer, puis de se projeter. Je suis toujours surpris de voir le succès des Speed Business Meetings parce que ça correspond à une vraie demande. Les gens ont besoin de créer du lien. Et effectivement, Monaco bouge. Monaco bouge dans tous les domaines, dans le public comme dans le privé. Cette première a été, on pourra considérer ce soir que ça aurait été une réussite, je pense. Et il est bien entendu qu'on refera ça en 2014.